suis venu au RCT, mais déjà c'était un challenge pour moi et puis pour aussi chercher des titres. C'est un club qui est ambitieux, donc voilà, on va faire le maximum cette année pour avoir des très bons résultats, sans brûler les étapes non plus, et jouer match après match, et voilà, on essaiera de faire quelque chose cette année. Moi, je crois qu'à Castres, on avait une bonne petite équipe aussi, on était ambitieux aussi. Voilà, après c'est un peu différent. Le club est moins médiatique à Castres, beaucoup plus à Toulon. Voilà, il faut faire avec, et après, à nous d'avoir des bons résultats pour que ça se passe bien. Je sais pas, en tout cas, on va tout faire pour démarrer un bon début de saison et pas faire ce qu'ils ont fait la dernière, donc perdre les deux premiers matchs. Ils ont tiré comme un boulet après, donc voilà, on va essayer de faire le maximum au début de saison pour être bien en course. Pour l'instant, ça se passe bien. Il faut de la concurrence, on joue sur deux tableaux, donc je pense que tout le monde jouera et j'espère que tout le monde sera bon, ça portera l'élimination. Non, bien sûr, j'ai pas renoncé. Après, voilà, déjà, on va essayer de bien jouer avec le club et ça passera par là pour retrouver l'équipe de France. Ça fait plaisir. C'est vrai que le premier entraînement où les spectateurs sont arrivés, les tribunes pleines, ça fait bizarre. Ouais. C'est pas comme à Castres, par contre. Dans Toulon, des fois, en marchant, les gens t'arrêtent. C'est vrai qu'on sent qu'il y a de l'engouement. Les gens sont derrière, ils sont respectueux, mais on sent qu'ils veulent les résultats.